Salut à tous, bienvenue pour ce tuto de ce superbe hit de Matmata, l'Apologie, la fameuse chanson qui leur a valu quelques problèmes de justice. Voilà, donc pour la petite histoire, ce morceau est sorti sur leur premier album. Et il a été écrit, composé et chanté par Samy et non par Stan. Alors Samy, c'est Cédric Floch, c'était le guitariste lead, donc super guitariste, super musicien. Qui hélas aujourd'hui ne fait plus partie de la formation. Ça c'est leur histoire, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'en plus Samy est un pote. Donc Samy, pour ceux qui habitent Brest ou le Finistère, quand c'est pas le confinement, on peut le voir dans des bars jouer. Voilà, il a soit au sein des Redouteurs avec Jean-Baptiste Faou et Marc Rigolo, soit tout seul. Donc je vous conseille vraiment de pouvoir, je vous souhaite de pouvoir le voir sur scène car c'est un mec qui a un talent immense. Que ce soit au niveau chant ou au niveau musical, c'est vraiment top à voir. Donc ce morceau sorti sur leur premier album, qui a fait la fameuse polémique parce qu'ils n'avaient plus le droit de jouer, ça faisait l'apologie de l'usage des drogues douces. Évidemment, on sait tous ce qui s'est passé. Victoire de la musique, ils l'ont joué, c'était la merde. Donc ils ont eu une petite réponse sur l'album suivant, avec la chanson « Quelques sourires », qui est énorme. On va revenir au morceau. Donc ce morceau est une espèce de reggae, rock, c'est un bon mélange entre ska, tout ça, et qui a la particularité sonore d'avoir des petits passages en flûte irlandaise que Stan joue. Alors la flûte irlandaise, il faut une mi bémol. J'en ai une, j'ai jamais réussi parce que voilà, c'est un instrument, il faut savoir en jouer. Et j'ai été trop feignant pour l'apprendre. Mais bon, elle est là, elle repose tranquillement à sa place. Il y a trois motifs à savoir. Le motif qu'on entend en intro et entre chaque couplet, le motif de couplet et le motif de refrain et de outro, enfin de finale. Deux motifs qui seront en guitare clean et un motif en guitare saturée, overdrive. Donc quatre accords, il y aura le fa mineur, le mi bémol, le sol dièse et le la dièse. Mais on ne va pas les jouer en version normale, c'est-à-dire comme ça. Et ouais, si on veut se rapprocher de la version électrique, il va falloir les jouer en syncope, donc en reggae, en montant, mais du coup sur les cordes sol, si et mi. Alors je vous montre comment ça donne, hein, au moins pour le premier motif, et on explique ça. C'était un fa mineur, donc on va faire un barré en 13e case en corde de sol, si, mi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, ça donne une attaque vraiment franche, et pour que ça percute, on va faire un, c'est à dire qu'on va étouffer quand le médiator redescendra. Deuxième accord sera un mi bémol. Donc le mi bémol, on va faire un barré entre au niveau de la 11e case en corde de si et de mi. Et on va venir mettre le majeur en 12e case en corde de sol. Ça fait sol. Là, pareil. Donc ce sera deux montées par accord. Donc le fa mineur, on passe en mi bémol, donc on fait vraiment, on appuie que quand on fait pas durer la note, on fait pas, non, on va relâcher la pression du doigt. Ça me fait penser énormément au morceau Roxane où
où on fait voilà, ce qu'on appelle la pompe, où on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Donc ça veut. Maintenant, on va passer au sol dièse et au la dièse. Mais du coup, sur les troisième cases, on va pas, les trois dernières encore, on va pas les faire comme ça. Si on veut se rapprocher du son de l'album, il va falloir faire un accord en, on va dire, en position de ré. Donc, pour le ré, évidemment, c'est comme ça. Là, on a un ré, donc on va monter jusqu'à arriver au sol dièse. Le sol dièse, le ré, sur le, en position de ré, on va mettre notre index en 8e case en corde de sol, l'annulaire en 9e case en corde de si, et le majeur en 8e case, pardon, en corde de mi. Ça fait... Ensuite, faire le la dièse, il suffit de monter d'un ton, donc de deux cases. On se décale, on trouve un dixième, onzième, dixième. Donc si on enchaîne en vitesse lente, donc voilà pour le premier motif et que l'on retrouve après chaque on va dire, un refrain et couplet. C'est un petit motif qu'on a en intercouplet quand justement Stan va faire de la flûte. Donc je remonte. Hein. Donc on voit vraiment que mon médiator va vraiment frapper les cordes. Hein. Ça, c'est pour l'intro et les petits passages. Maintenant, on va passer sur le motif couplet. Alors, le motif couplet, il n'y aura que le Fa mineur et le Mi bémol. Alors, nous avons deux façons de le faire. Si on fait comme l'album, pour le Fa mineur, on va faire un barré en 8e case, notre majeur en 9e case de corde de Si, et respectueusement sur la corde de Sol et de Ré, l'annulaire et l'auriculaire vont venir en 10e case. Ça fait... Et le Mi bémol, il suffit de descendre d'un ton et de faire un accord majeur. Alors, le barré, et on va mettre les trois notes, les trois doigts en 8e case. Pour la rythmique, ce sera 4 coups vers le haut pour chaque accord. Il n'y en a pas plus. Donc ça fait. Donc si on chante, je vais essayer, ça fait. Cette étrange cigarette ne tournera pas à l'heure. Soit on fait, moi je fais un barré comme ça, ou si on veut faire sonner un peu, justement, faire que sur les trois cases. Ça demandera
sûrement de maîtriser pour étouffer les autres cordes, hein, bien sûr. Donc ça fait. Alors pour la version LED, généralement, ils refont les autres accords. Exactement les mêmes accords mais dans des positions différentes. Donc je rappelle le Fa mineur et le Mi bémol. Alors Mi bémol on va faire que ça quoi. Cette étrange cigarette ne mourra pas à gare. L'an 2000 approchant rattraperait le retard. Vivons à notre époque et dédramatisons. Non bien sûr le hashish n'élève pas la raison. Sur le motif, voilà. Donc je vous laisse écouter sur le CD les petites interactions qu'il y a. Ensuite, on va passer au troisième motif de guitare saturée. Donc, évidemment, je ne connais pas toutes les paroles par cœur. Mais voilà, ça va faire... On retourne donc sur le couplet. Seront le Fa dièse, le Fa mineur. Ensuite, nous allons avoir le Do dièse majeur, du coup. Donc, petit, un barré, un quatrième case et sixième case. Pour ensuite remonter en Ré dièse ou Mi bémol. Si t'as vraiment des cafards, moi je choisis, y'a pas photo. Moi je choisis les maracos, l'alcool, leur soulard. Le canard, c'est le panard. Y'en a qui les mystifient. Moi je fais ça pour le jour. Donc avec le son, ça fait. Je rentre l'accord. Sur le motif originel. Donc je rappelle les trois motifs. Le premier, Fa dièse mineur, Mi bémol, Sol dièse, La dièse. Le deuxième motif pour les couplets Fa mineur et Mi bémol. Et le refrain, enfin le refrain, ouais, le refrain, on va dire. Du coup, Fa mineur, Do dièse, Ré dièse. Ça finit sur ça, ça va être. L'alcool et le tabac ont le droit de la torture. Peu importe le métal qui rapporte le bonheur, le vent, le bonheur.
voilà, j'espère que j'aurai été clair sur ce tuto. N'hésitez pas à écouter la chanson pour vraiment avoir ces changements au niveau du refrain. Voilà, donc c'est une chanson qui a encore aujourd'hui, qui sera toujours d'actualité. Voilà. Sans rentrer dans la politique, qui sera toujours d'actualité tant que cette substance n'est pas légalisée chez nous. Donc attention, je ne fais l'apologie d'aucune substance, je fais juste l'apologie de cette chanson. Parce que je vois très peu de personnes qui savent la jouer. Par contre, on va dire que 80% des mecs des personnes de ma génération la connaissent. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu dis Matmata à quelqu'un, ça ne va pas être Lambendro ou Emma, ça va être l'apologie. Donc c'est une chanson qui a marqué. Pour moi, c'est peut-être le tube rock de cette génération-là. Voilà. Après Noirdaise et tout, après les groupes tels que Luc, je trouve que Matmata a vraiment marqué cette période. Le renouveau breton après Niosek de la musique. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à commenter ça, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que j'ai été clair, si vous trouvez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas. Et puis je vous dis bon courage pour apprendre ce morceau, il n'est pas compliqué. Par contre, si vous jouez avec quelqu'un qui fait des percus, trucs comme ça, ça va vous demander une petite concentration pour synchroniser un petit peu votre guitare, pour ne pas se laisser, pour pas se laisser bouffer par le rythme. Mais c'est faisable largement. Pour l'avoir fait, ben voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Allez, ciao!